de la terre. J'avais envie de reprendre pied avec cette terre et revoir comment elle fonctionne. Je ne m'attendais pas à avoir une telle diversité dans les gens qui viennent. Et c'est très intéressant de voir un petit peu les différents horizons, à la fois sur la pratique du jardinage, et puis sur les parcours de vie et les projets qu'on peut avoir autour de ça, soit professionnels, soit personnels. Là, on reprend une dimension de gestion globale du jardin, les différentes activités qu'on peut avoir tout au long de l'année, tout au long de la journée, les différentes phases de la culture, et ça, c'était très très intéressant, très enrichissant. Protéger la terre. Vraiment le maître mot, c'est ça. J'avais pas conscience de à quel point on pouvait la dégrader, la faire souffrir, et avec quelle facilité on peut aussi la reconstituer. Si on y prête vraiment attention, si on adopte les bonnes pratiques, on compare les différents types de sols, on voit les résultats que ça donne. Et, enfin, ce qui était très étonnant dès le départ, à la Blachère, la diversité biologique et la diversité des insectes qu'on peut rencontrer, quoi, ça foisonne.